Bon dimanche. Euh, bienvenue à tous. Que vous soyez euh, avec nous ce matin en présence ou le super beau mot qu'on a appris en 2020 en présentiel. Mais que vous soyez aussi en virtuel, c'est-à-dire euh, de votre salon ou encore de votre... Euh, bon, il faut que je sois dans mieux cadré. On a, on a changé le, la caméra de place ce matin, puis j'ai oublié de... Allô, Jonathan? On a droit à deux mètres. Like OK. Deux <laughs> mais on parle pas dans la même direction. Donc, euh, donc euh, ce matin, on a le privilège d'accueillir euh, Jonathan Labelle, qui est un ami à moi euh, dans le temps qu'il avait des cheveux. <laughs> ça fait longtemps. Ça fait vraiment longtemps. <rire> <rire> Et euh, puis, Jonathan Labelle a passé un peu par cette technique-là de, de passer par le streaming aussi, entre autres, à son église. Bien, je ne dirais même pas lequel quelle église. Il va pouvoir tout présenter, tout ça. Puis euh, en parlant avec lui, puis de proposer des alternatives pour qu'on soit plus efficace au niveau, euh, parce que j'ai expliqué un peu mon désir aussi de, que le, 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 les messages puissent être entendus pas simplement par ceux qui ne peuvent pas être là ce matin là, dans l'église, mais dans tous les petits villages en Gaspésie aussi, on veut s'adresser aux Gaspésiens, puis que ce soit des Gaspésiens qui s'adressent à eux euh, pour leur parler de Dieu, l'amour de Dieu, ces choses, puis euh, la, sa parole. Donc euh, euh, c'est ça. Il est venu passer quelques temps avec nous pour nous aider au niveau de la technique. On va améliorer ça au cours des prochains jours parce qu'il va s'en aller. Puis nous, autres, il va falloir qu'on qu s'organise. Qu <laughs> mais entre-temps, je vous laisse entre ses bonnes mains pour qu'il puisse donner, vous dire quest ce que Dieu a mis sur son cœur. Puis, mais euh, ben, Vas-y, mon frère. Hey, merci Israël. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment content d'être avec vous autres ce matin. Ça faisait. J'étais venu faire un petit tour en Gaspésie l'été dernier pour, avec ma petite famille euh, en vacances et ça faisait des années que je n'étais pas venu euh, faire mon tour. Puis là, euh, la Gaspésie a pris une place dans mon cœur, est revenue prendre une place dans mon cœur. J'étais vraiment content d'être ici Puis je suis vraiment content d'être avec vous autres aujourd'hui. Si vous ne me connaissez pas, mon nom, comme le, le dit Israël, c'est Jonathan. Je suis pasteur, implanteur euh, à Laval en ce moment. Euh, je suis marié avec euh, une belle petite, mais à notre dent, euh, femme, euh, Rachel Bergeron. Qui, euh, puis on a deux enfants. On a euh, une fille qui s'appelle Charlotte, ma plus vieille, elle a 11 ans. Puis j'ai euh, mon bébé, c'est plus un bébé, mais ça va toujours être mon bébé, Rose, elle a 9 ans. Puis euh, on a déménagé à Laval, là. Il va bientôt faire deux ans qu'on a déménagé à Laval pour pouvoir implanter une nouvelle église à Laval. J'ai été pasteur pendant huit ans environ à l'église de Terrebonne-Mascouche. Euh, je m'occupais de la jeunesse, je me suis occupé euh, de euh, la mission, accompagner l'Église dans la mission, être euh, une lumière dans la communauté, aller servir, aider la communauté, pas juste parler de l'amour de Jésus, mais de la démontrer d'une façon concrète par nos actions. Donc, euh, euh, j'ai fait ça pendant plusieurs années, puis euh, euh, Dieu a mis sur le cœur de moi et de mon épouse euh, le, le fardeau, le désir de démarrer une nouvelle Église à Laval. Euh, je ne sais pas, peut-être que vous, vous connaissez, la, la plupart d'entre vous connaissez la ville de Laval, mais Laval est la troisième plus grande ville au Québec. C'est la plus grande banlieue de la province. Et euh, c'est l'église où il y a le moins d'églises francophones par habitant. Euh, il y a un besoin criant d'églises euh, évangéliques à Laval. Il n'y a presque pas d'église euh, chrétienne. Donc, euh, moi, mon épouse et moi, on a déménagé là-bas euh, il y a deux ans. On démarre cette, euh, cette, euh, cette nouvelle église-là. L'église n'est église même pas encore lancée. Euh, oh, Dieu avait des plans vraiment euh, qui ne sont pas mes plans. <laughs> euh, on a eu notre première réunion euh, de vision. Euh, vous savez, le, en début 2020, j'avais commencé des réunions pour présenter le projet. Donc, le 23 février 2020, c'était notre première réunion. J'étais excité, j'étais content. On s'était trouvé une place dans le centre-ville de Laval, à côté du cégep, de l'université, du métro. 23 février, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, mais. Même pas trois semaines après, là, on tombait en pandémie. J'essaie Je, de démarrer une église, puis on n'a pas le droit de se voir. C'était un méchant casse-tête. Euh, mais on a persévéré, euh, on, on a continué, c'était difficile, on s'est adapté, on, on s'est acheté de l'équipement, on était en ligne, on a atteint les gens, on faisait des réunions en zoom, puis euh, par la grâce de Dieu, c'est vraiment pas à cause de nos efforts. Euh, 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 on n'a pas de mérite, mais par la grâce de Dieu, dimanche dernier, on avait deux personnes qui se faisaient baptiser à l'église. Euh, Dieu vient il, il nous toucher des jeunes filles, des, une jeune femme. Et il y en a une qui, au début de la pandémie, euh, elle avait une distance avec Dieu. Elle, elle a grandi dans une famille chrétienne, mais euh, depuis au moins l'âge de euh, 18-19 ans, là, elle ne voulait plus rien savoir de l'église de Dieu. Puis euh, euh, à travers la nouvelle église, la nouvelle implantation, à travers tout le stress de la pandémie, euh, Dieu est venu la rencontrer, puis on a eu euh, la joie de célébrer euh, deux baptêmes dimanche dernier, donc euh, on est vraiment content, on est, est excité de voir qu'est-ce que Dieu euh, il va faire dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, donc euh, vous pouvez nous garder dans vos prières, euh, on a hâte de nous, on est encore en zone rouge, là. on a hâte de pouvoir déconfiner, se voir. Euh, tout l'automne, on pouvait se voir. On était vraiment excités. On était à 25 maximum. Donc, euh, on réussit à rentrer 25, plus les bénévoles qui ne comptent pas dans les 25, plus un autre local avec les enfants. T'sais, on montait une quarantaine de personnes. C'était super excitant. Puis là, du jour au lendemain, tout est fermé. Puis là, on est tombé juste en virtuel. Puis là, là euh, euh, on voyait là, que c'est plus difficile de connecter avec les gens. Donc, euh, euh, on a hâte de pouvoir recommencer. Euh, commencer à se voir. Donc, euh, c'est à peu près ça là, pour euh, ce qui est de qui je suis, où est-ce qu'on euh, s'en va. Donc, euh, on, on est là à l'aval, on est en train de démarrer cette, euh, cette, nouvelle, euh, cette nouvelle église. Et euh, ce matin, euh, quand que euh, Israël m'a proposé de pouvoir euh, euh, ouvrir la parole de Dieu avec vous autres, euh, pouvoir euh, prêcher, j'ai un texte que, que j'aime beaucoup prêcher. Euh, J'ai déjà apporté à quelques reprises, mais euh, euh, ça me fait vraiment du bien. En tout cas, personnellement, j'espère que ça va vous bénir ce matin, mais euh, je relisais, puis je me préparais cette semaine euh, en lisant mes notes, puis je me disais Wow, j'avais vraiment besoin de, de cette prédication-là pour moi-même euh, ce matin. Puis euh, je vous invite, s'il vous plaît, à tourner dans Agé au chapitre 2. Oh, dans l'Ancien Testament, c'est rare qu'on ait dans les petits prophètes comme ça, là, dans Agé. Mais un beau message d'espérance de, de, euh, ce matin, âgé au chapitre 2. Avant qu'on puisse euh, regarder et euh, aller plus loin, j'aimerais juste euh, avoir un petit mot de prière. Papa du ciel, ce matin, je veux euh, je veux te remercier pour chaque personne qui est ici présent ce matin. Euh, papa, toi, tu connais le cœur de chaque personne qui est là. Tu connais mon cœur. Tu connais le cœur de chaque personne qui est en ligne, qui nous suit, qui est en train d'écouter euh, cette présentation euh, ce matin. Tu connais nos, euh, nos doutes, nos luttes, nos tristesses. Euh, Jésus, je te prie de juste venir nous rencontrer ce matin. Jésus, que ça ne puisse pas être Jonathan, mes paroles, euh, mais ton esprit qui puisse venir nous connecter avec toi, papa, qu'on puisse venir te rencontrer ce matin, que tu viennes nous, euh, nous encourager, que tu viennes nous, euh, nous bénir, Seigneur. Euh, euh, tu, tu vois tout ce qui est dans notre tête. Les, euh, les choses qui peuvent euh, nous apporter de, euh, du stress, qui peuvent nous, nous déconcentrer ce matin, Et nous à juste tout mettre ça de côté, laisser ça de côté et euh, permet qu'on puisse être, euh, être dans Ta présence, qu'on puisse euh, saisir parce que Tu es là, mais qu'on puisse la saisir cette présence-là, que Tu puisses venir nous rencontrer et euh, que Tu puisses venir nous bénir. Au nom de Jésus, que je te prie. Amen. Avant de lire le texte, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que ça vous est arrivé dernièrement d'être découragé? Pas besoin de répondre fort, là. Mais est-ce que ça vous est arrivé de vivre du, euh, du découragement, de, du, 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 du stress ou de l'anxiété? Puis là, quand je parle d'être découragé, là, je ne je parle pas là, comme vous en allez au Tim Hortons, là, puis là, il y a une grande file, puis là, vous êtes découragé parce que ça va prendre cinq minutes de plus. Là. Là, je parle d'un découragement que c'est pesant, là. Vous pensez, Dieu permet une période dans votre vie que c'est lourd, c'est difficile. Peut-être que ce matin, même, tu es encore en train de vivre une période de découragement comme ça. Peut-être que c'est à cause d'une situation financière qui est, qui est précaire, puis euh, tu, tu vis du découragement à cause de ta situation financière. Peut-être c'est à cause que euh, tu as perdu une relation qui était chère, tu as perdu quelqu'un où, où il y a une distance qui s'est prise entre toi et quelqu'un qui, qui, qui était un être cher, puis ça t'apporte du découragement. Peut-être que tu vis des relations euh, difficiles dans ton couple. <laughs> hein? Quel couple ne vit pas de situations difficiles? Hein? Euh, même les pasteurs, ça nous arrive. Euh, surtout les pasteurs. Non, mais hein, on vit des. Relationnellement, des fois, on a des, des conflits, c'est difficile. Euh, peut-être que c'est au travail, peut-être que tu vis dans, au travail beaucoup de pression. Euh, ton patron te demande des choses, puis tu as de la misère à, à y arriver. Peut-être que dans tes études, c'est beaucoup euh, stressant à cause que euh, les, 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 les deadlines arrivent pour remettre des travaux, tu as beaucoup de travail. Vous savez, la plupart. Entre nous, on passe à travers des moments de découragement. On passe à travers des moments de, de, de difficulté. Et vous savez, c'est quoi la tendance naturelle de l'être humain lorsqu'on passe à travers des, des moments de difficulté comme ça Notre tendance, c'est d'aller trouver de l'espérance, c'est d'aller trouver de la joie dans la création. Je vis un moment difficile, je vis quelque chose de tough, puis là, j'ai besoin d'espérance, de, j'essaie de trouver une joie, puis ma, ma, ma tendance charnelle, c'est d'aller chercher cette joie-là dans la création, d'aller vouloir euh, rencontrer un ami, puis rire avec cet ami-là, d'essayer de, de pouvoir euh, connecter relationnellement avec quelqu'un, d'essayer de pouvoir me... Partir dans une passion. Moi, je suis un passionné dans la vie. Si vous me connaîtriez, là, ma femme est découragée des fois. Je passe des des passions, puis là, je là, commence à aller là, à la chasse, puis là, let's go l'automne. Je pars, puis là, je m'achète un 12, puis là, là je m'équipe, je m'en vais à la chasse. Là, depuis deux ans, la plongée sous-marine, et là, let's go. Puis c'est pas mauvais d'avoir des hobbies. C'est sain d'avoir des hobbies. Mais quand je vis de la difficulté, quand je vis un découragement, ma tendance naturelle peut juste être vouloir m'éloigner, vouloir partir et aller chercher ma joie dans la création. Mais la vie, la joie, l'espérance, on va voir ce matin, elle ne se compte pas par la création à l'horizontale, mais elle se compte dans cette relation-là que je peux avoir avec le Créateur qui a créé toutes choses. Et la création est là simplement pour pointer toujours au Créateur et qu'on puisse aller chercher notre joie, notre espérance dans notre Créateur. Puis le test qu'on va voir ce matin, on va voir comment est-ce que Dieu il est venu encourager le peuple d'Israël a, a un moment qui était découragé, un moment que c'était difficile, a un moment où est-ce que il, il, est, ça pesait l'eau sur leurs épaules. Puis on va voir comment Dieu a utilisé le passé, le présent et l'avenir pour pouvoir apporter une espérance, pour pouvoir relever son peuple. Puis tournez avec moi, on va lire Agé au chapitre 2, verset 1 à 9. Agé 2, versets 1 à 9. Le 21e jour du septième mois, la parole de l'Éternel fut révélée par l'intermédiaire du prophète âgé. Parle au gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Chetniel, au grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et au reste du peuple. Dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui a vu ce temple dans sa gloire première? Et comment le voyez-vous maintenant? Tel qu'il est, ne paraît-il pas comme rien à vos yeux? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, déclare l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, grand prêtre. Fortifie-toi, peuple entier du pays, déclare l'Éternel, et travaillez, car je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Conformément à l'engagement que j'ai conclu avec vous quand vous êtes sortis d'Égypte, mon esprit est au milieu de vous. N'ayez pas peur. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'Univers. Une fois encore et dans peu de temps, je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et le sec. Je ferai trembler toutes les nations. Les trésors de toutes les nations afflueront et je remplirai de gloire ce temple, dit l'Éternel, le Maître de l'Univers. L'argent m'appartient. L'or m'appartient, déclare l'Éternel, le Maître de l'Univers. La gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier. Dit l'Éternel, le maître de l'univers. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Bon, je vais juste vous mettre un peu en contexte, là, parce que on lit pas âgé à, à tous les matins. Là, hein? Je ne sais pas si <laughs> vous avez lu âgé, mais ça se situe où, ça, dans l'Ancien Testament? Juste rapidement pour vous dire, c'est âgé, euh, euh, ça se passe à l'époque. Vous savez, Dieu a donné le, 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 la terre promise à Israël. Euh, Israël a désobéi, Israël s'est éloigné de Dieu, et là, Dieu a permis une déportation de son peuple à Babylone. Donc, euh, le peuple s'est fait envahir par les Babyloniens, il a déporté le peuple, et après quelques années, après quelques dizaines d'années, le peuple euh, euh, a eu l'autorisation de revenir en Israël. Et là, sous Esdras, ils ont commencé à rebâtir. Dieu a demandé à Esdras, rebâtir le temple. Et là, ils ont recommencé à bâtir le temple qui est. À ce temps-là, le temple, c'est la, la présence de l'Éternel. C'est la maison de l'Éternel. C'est là que l'Éternel habite. Puis là, Dieu dit, « Rebâtissez le temple. » Et là, sous Esdras, ils ont recommencé à bâtir le temple. Mais là, hop, euh, maintenant, c'était tough. <laughs> maintenant, c'était un petit peu, euh, un peu décourageant. Leur maison tombait en, en lambeaux aussi. Puis c'était difficile. Et tu reviens d'une déportation. Tout est massacré. Tout a été pillé. Tout a été brisé. Puis là, le découragement est survenu. Puis là, le peuple, sont, ils ont... Quitté le, le, la reconstruction du temple, ils sont retournés dans leur maison, puis ils se sont occupés de leur maison. Et là, Dieu envoie le prophète âgé au chapitre 1. Là, on lira pas, mais au chapitre 1, puis il dit :« Hey, retournez bâtir le temple, s'il vous plaît. Retournez bâtir le, 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 le temple. » on estime environ 18 ans là, entre euh, le, le, le Esdras qui a commencé à bâtir le temple et le temps d'Agé, où est-ce que Dieu il dit :« Hey, faut y retourner, gang. Là. on y retourne. Là. Donc Dieu demande ça au peuple. Et le peuple se met à l'œuvre, il recommence à bâtir le temple. Et sept mois après ça, excusez, sept semaines après ça, là, on a ce texte de ce matin. Donc, là, le, le, le peuple, ils ont il repris, euh, ils ont relevé leurs manches, ils ont recommencé à bâtir, ils ont recommencé à rénover le temple. Puis là, après sept semaines, on a ce qu'on appelle la fête des cabanes. C'est la fête des tabernacles, c'est la fête de, des moissons. C'est comme on se, un peu comme action de grâce. Là, là on, on célèbre que Dieu est un Dieu qui pourvoit, puis un Dieu qui... Qui, euh, qui est là puis qui est présent puis qui répond aux besoins puis sérieusement je suis convaincu que Dieu là ben on sait tout que Dieu il sait toujours qu'est-ce qu'il fait là mais dans ce texte là le même Dieu est un peu ironique là T'sais, il faut qu'ils célèbrent la fête des cabanes ils sont découragés ils recommencent à bâtir ils n'ont pas grand chose devant eux autres C'est difficile c'est en plein dans le contexte où que le peuple ils doivent se rappeler de la moisson. Puis pour ajouter à l'ironie, si, si on regarde l'Ancien Testament puis on regarde la fête des cabanes là, 440 ans auparavant, le jour même, c'était le jour où est-ce que Salomon inaugurait le temple. Tu le deux temples. Là. Tu sais là, le, le beau temple là, que c'était, majestueux, c'était incroyable. Puis là c'était pendant cette fête là, t'sais. Puis là 440 ans plus tard, le peuple est là. C'est tout à moitié délabré. Ils n'ont pas de, ils ont pas de grands moyens. Ils sont vraiment découragés. Ils, ils vivent là dans la, dans la, ils vivent de la souffrance. C'est difficile. Puis ce beau temple-là qu'il avait vu 440 ans au passé, maintenant, il est tout délabré. Puis Dieu il dit, let's go. Puis ce matin, je veux qu'on puisse voir euh, la, la, la première chose qu'on va voir comment est-ce que Dieu euh, encourage son peuple, c'est qu'il il, il leur, il leur rappelle le passé. T'sais. Il y a comme une nostalgie du passé dans le texte. Écoutez qu ce que Dieu dit. Moi, je lis ça, puis je fais comme, Seigneur, t'es comme t'es vraiment rough, là. <laughs> Écoutez qu ce qu'il dit au verset 2 et 3, il dit Quel est parmi vous le survivant qui a vu ce temple dans sa gloire première? Et comment le voyez-vous maintenant tel qu'il est? Ne paraît-il comme rien à vos yeux? L'Éternel, il parle au peuple du passé, il leur parle de la gloire passée du temple. Puis là, même, il dit Hey, y en a-tu parmi vous qui se rappellent comment c'était beau Hey, vous rappelez-vous comment c'était beau le temple du temps de Salomon Puis la gloire passée. Puis là, vous le regardez, puis vous dites Ouais, hein Il n'arrache un peu, hein <laughs> Hein Il paraît-il comme rien à vos yeux Comment le voyez-vous maintenant il rappelle la gloire, la, la beauté du temps passé. Et là, euh, quand on regarde, là, ce matin-là, euh, je ne lirai pas tous ces textes-là, mais dans 1 roi 6, là, on, on voit comment est-ce qu'il était, excusez l'expression, mais qui était dans le temple, là, du temps de Salomon. Là. Quand Salomon il a inauguré le temple, là, la colonne de Nuée, elle vient. Puis là, on lit dans, dans le temps de, de Salomon qu'il y avait des murs, des penchés en bois. Du c'était beau, ça se sentait bon. On, on voit que le sol, dans le temps, des endroits, le sol, il est comme. Il, il, il recouvert d'or, là. Tu sais, c'est comme. C'est pas du flottant, là. <laughs> c'est pas de la tuile. là. Le sol était tout recouvert d'or. C'était malade. C'était majestueux. On voit dans un roi 6, 23 qu'il y avait deux chérubins, des, des anges avec les ailes déployées de 5 mètres de large. Tout recouvert d'or, c'était, c'était majestueux, c'était, c'était beau, c'était, c'était, c'était de l'or, c'était, c'était, c'est grandiose. Puis là, Dieu, il est là, il dit, hey, le temple d'aujourd'hui là, c'est comme rien hein, comparé à l'autre d'avant. On dirait que Dieu était comme un peu en train de, on a cette expression là, on dirait qu'il était un peu en train de comme, tourner le fer dans la plein. Il dit, le temple n'est-il pas glorieux? Il n'était pas glorieux. Puis aujourd'hui, le temple actuel, l'avant lequel ils sont, hein, il n'est vraiment pas aussi glorieux. Le peuple, il n'a pas beaucoup de moyens. Le peuple est découragé. Euh, Comparer les travaux, ils n'ont pas le, les mêmes ressources qu'ils avaient. Puis ils peuvent se sentir fatigués, puis ils peuvent sentir euh, le découragement. Probablement que les gens, pendant qu'ils sont en train de réparer le temple, c'est sûr qu'il y en qui devaient se dire Ah, c'était pas comme avant. Ah, c'était tellement plus beau avant. « Ah, c'est sûr, c'est pas aussi grandiose que celle l'était. Puis vous savez, ce découragement-là avait vraiment sûrement fait partie de la raison pourquoi il avait arrêté sous Esdras. Quand on lit Esdras au chapitre 3, vers, je vais vous lire. Esdras, chapitre 3. Je vais vous lire Esdras 3, versets 10 à 13. Là, on y est souhait 18 ans avant, quand ils sont en train de reconstruire, puis là, ils viennent de terminer les fondations, puis ils font une célébration pour dire Hey, on a fini de, de reconstruire les fondations, on a replacé ça, tu sais. Puis là, ça dit au verset 3, il dit Lorsque les maçons posèrent le fondement, les fondations du temple de l'Éternel, on disposa les prêtres en costume avec les trompettes et les lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales afin qu'ils célèbrent l'Éternel d'après les directives de David, roi d'Israël. Il se répondait en louant et en célébrant l'Éternel. Il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement pour Israël. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en louant l'Éternel parce qu'on posait les fondations de la maison de l'Éternel. Regardez bien ça, verset 12. Cependant, beaucoup parmi le peuple, parmi les prêtres, les lévites, les chefs de famille âgés qui avaient vu le premier temple pleuraient tout haut pendant qu'on posait sous nos yeux les fondations de celui-ci. Comme beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie des pleurs du peuple. En effet, on poussait de grands cris qu'on entendait au loin. C'est assez ironique, ceux qui avaient vraiment vu le premier temple, les autres, ils criaient, mais ils pleuraient quand ils ont recommencé à construire les fondations parce que ce n'était pas comme avant. Ce n'était pas beau comme ce si l'était avant. Le peuple, il est pauvre. Ils n'ont pas de richesse. Ils doivent reconstruire avec le peu qu'ils ont. Vous savez, le peuple, il passe par un temps difficile. Ils vivent du découragement, mais ils vivent une période sombre de leur histoire. Le peuple est accablé et découragé. Et qu'est-ce qu'on a tendance à faire quand on est accablé et découragé? On se rappelle le bon vieux temps. Puis là, on idéalise le bon vieux temps. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais hey, même des fois, on. on, 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 on on ramène le vieux temps, le, le, comment ça se passait il y a quelques années, puis là, ça avait l'air parfait, tu sais, dans le passé, là. Puis c'est un peu ça, là, le peuple, sont là, ils sont découragés, puis là, il y en a qui pleuraient, puis là, ils sont là, puis là, là, il y a la nostalgie du passé. Dans le temps, hein? Puis vous savez, vivre dans le passé, ça peut vraiment être dangereux. Vous savez, on a tendance à idéaliser dans le passé. Dans le temps, c'était donc bien mieux. Dans le temps, là, hein, puis même dans nos vies personnelles, là, dans le temps, là, on était des vrais, dans le temps, nous autres. Hein? Je ne sais pas si vous avez entendu ça, là, mais hey, dans le temps, nous autres, là, on marchait, là, 5000 à pied, les il à l'école. On était des vrais, nous autres, dans le temps. Hein? Dans le temps, on voit des photos des fois passer sur Facebook. Dans le temps, on buvait l'eau à rose dans la cour, puis on n'avait pas peur, là, nous autres, on était des toughs. Hein? On t'enseignait à l'école, c'était pas du divertissement. Dans le temps, là, nous autres, on était des vrais. On jouait d'ailleurs, on n'était pas toujours devant un écran. Là. On avait des vrais amis, là. ils n'étaient pas juste virtuels dans le temps. Hein? On avait un travail pour la vie, on ne changeait pas tout le temps. Dans notre temps, les politiciens, c'était des vrais, c'était pas des langues de bois comme aujourd'hui. Puis vous savez, là, souvent on regarde le passé puis on fait comme Wow! C'était donc merveilleux Puis tout était parfait dans le temps. Puis pourtant, si tu reviens dans le temps, c'était pas si parfait que ça, mais en tout cas, ça c'est une autre histoire. Mais on a tendance à avoir cette nostalgie-là du passé de dire Ah, quand j'étais là, quand on était à tel endroit, c'était donc merveilleux, c'était donc bien fun, c'est donc bien beau, c'est ben, c'était donc bien merveilleux. Mais vous savez, combien d'églises peuvent vivre en se disant, hey, dans le temps, c'était donc bien mieux? Hey, il y a 10 ans, quand on était à telle place, c'était donc bien mieux. Hey, quand tel pasteur était là, Hey, ça c'était ton bien mieux. Hey, quand on vivait à tel an, Hey vous savez, là, hey, ça c'était ton bien le fun dans le temps. Hey, on faisait les affaires comme ça. Puis vous savez, on s'accroche à qu ce qu'on faisait dans le temps. On s'accroche à comment on faisait les choses dans le temps. On s'accroche à la vie qu'il y avait dans le temps. Puis on oublie le présent. On oublie qu'est-ce que Dieu est en train de faire là. Un des problèmes de, de vivre dans le passé, de vivre dans le temps, c'est qu'on s'accroche aux méthodes qui étaient dans le passé et non pas au Dieu vivant qui faisait ces choses merveilleuses-là dans le passé. Quoi faire quand le découragement vient? Mais la chose à faire, c'est de se tourner vers la vraie source de joie. C'est ce que le texte nous explique ce matin, vers l'espérance, la source de la vraie joie de l'espérance et de la gloire. Qu'est-ce qui faisait que le temple était si beau et si glorieux dans le temps? Qu'est-ce qui faisait que c'était si beau et merveilleux? C'est-tu vraiment les chérubins avec l'or qui étaient dessus? C'est-tu vraiment là, les, les planchers en or? C'est-tu vraiment là, les, les murs en, en bois? Non! <laughs> Puis c'est que Dieu, il va enseigner à son peuple. Il disait ce qui faisait que c'était beau et glorieux dans le temps, c'est que c'était ma présence. C'est la présence de Dieu qui faisait que c'était merveilleux. C'est la présence de Dieu qui était là, qui était présent, qui faisait que c'était glorieux. Et là, qu qu'est-ce qu que Dieu il dit à Agé de dire au peuple? Et là, on arrive au verset 4, il dit « Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, déclare l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, il faisait Sadak en Fortifie-toi, peuple entier du pays, déclare l'Éternel, et travaillez, car je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. Le maître de l'univers. Conformément à l'engagement que j'ai conclu avec vous quand vous êtes sortis d'Égypte, mon esprit est au milieu de vous. N'ayez pas peur. L'espérance et la gloire se trouvent dans la présence de Dieu, et aujourd'hui, là, c'est le temps de saisir la présence de Dieu. Dieu, il est là présent. 21 mars 2021, Gaspé, Jésus, l'Éternel, il est là, il est avec vous, il est, avec, il est présent autant qu'il l'était a 10 ans, autant qu'il l'était v'là 2000 ans, autant qu'il l'était v'là, je sais pas moi, ça va peut-être 7000 ans à ce texte-là, mais il est aussi présent que dans ce temps-là. Et c'est sa présence qui fait toute la différence c'est sa présence dans ta vie qui peut te donner la vraie joie, pas les circonstances, pas juste de se rappeler comment c'était dans le passé. C'est le temps aujourd'hui de saisir la présence de Dieu. Dieu n'avait pas abandonné son peuple, il était avec eux. L'Éternel est présent. L'Éternel veut les encourager. Quand le, le quand on lit dans les Écritures qui dit fortifie-toi, je fortifie-toi, fortifie fortifie-toi, c'est parce que la personne est découragée. Et là, l'Éternel veut relever. L'Éternel il veut encourager. Il veut relever ceux qui sont en train de souffrir. Le peuple est découragé, voit pas la présence de Dieu ni dans le temple, voit pas la présence de Dieu ni dans leur maison, ni dans le garde-manger parce que ça va pas bien. Mais Dieu leur rappelle qu'il tient sa promesse. Il est présent. Son alliance a tient tout le temps. Il dit, moi là, vous, vous avez brisé notre alliance. Moi, je n'ai pas brisé l'alliance. J'avais fait alliance avec vous en vous sortant d'Égypte, je suis encore avec vous. Vous avez brisé l'alliance, vous avez été déporté, mais je suis encore aujourd'hui avec vous. Je ne vous ai pas oublié. Dieu tient parole. Il est là, il est présent avec son peuple. Et sa parole, il la tient encore avec nous aujourd'hui. Dieu est encore présent aujourd'hui. Il est encore avec nous. Sûrement que ce matin, vous vivez des choses difficiles. Vous vivez du découragement. Vous souffrez. Mais je vous dire, Dieu il est présent avec toi aujourd'hui au milieu de ta souffrance. Au milieu de ton découragement. Au milieu de l'adversité. Au milieu des, des deuils que tu peux vivre, au milieu des, des relations difficiles que tu es en train de vivre, au milieu du, du excusez mais du foutu de confinement, qu'on est tous pognés, puis que, hein, en tout cas, les introvertis de ce monde, des fois, sont un peu contents. Là. Ma, femme, elle, <laughs> Ma femme, elle dit Moi, je m'attends. Je suis tellement bien, <laughs> c'est comme si j'étais à la maison, j'ai une bonne raison pour ne pas voir de monde être mais à la maison, mais moi, je suis tout le contraire de ma femme. <laughs> hey, j'ai hâte de voir du monde, puis des fois, les dernières semaines, les derniers mois, c'était souffrance, c'était dur, puis le découragement, mais l'Éternel est là. Autant qu'il était dans ce temps-là, Dieu étiez sa parole, et à cette fête des moissons-là, qui fêtait à ce moment-là, Dieu le rappelait, je suis encore avec vous autres. Je suis encore le Dieu qui pourvoit. Je ne vous ai pas oublié. Peut-être que ce matin, as, tu vis de la souffrance parce que tu as fait des mauvais choix. Peut-être que tu vis de la souffrance à cause du mauvais choix de d'autres personnes en toi. Peut-être que tu n'as aucune idée pourquoi que tu, tu souffres. Peut-être que, je sais pas ça vous est déjà arrivé, mais moi, des fois, là, je, je, le stress embarque. Là, je me mets à stresser. Puis là, je regarde ma femme je suis comme, hey, mon amour, là, je stresse. Là. Puis là, elle me regarde, mais pourquoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mon amour, je, sais, là, je suis stressé. Je ne sais même pas. Des fois, on ne sait même pas pourquoi on souffre. Il y a des choses qui nous arrivent, puis notre corps, il réagit, puis on ne le sait pas. Puis hein, on, on, a, euh, on vit de la souffrance. Mais peu importe le moment, peu importe c'est quoi la souffrance qui arrive, on sait que l'Éternel est là. Il est présent. Ce matin, je veux te dire que Dieu, il est là. Il est présent avec toi dans ta souffrance. Même qui te comprend. Il n'y a pas de souffrance qu'on peut vivre que Jésus n'a pas expérimenté, qui ne peut pas te comprendre. Tu te sens rejeté ce matin. Le Fils de Dieu, il était rejeté par sa création. Tu te sens qu'on te ridiculise. Il était ridiculisé à la croix avant d'aller à la croix pour pouvoir te sauver. Tu es anxieux, tu vis de l'anxiété. Jésus vit une anxiété extrême au point de suer du sang dans le jardin de Gethsemane pour que tu puisses être connecté avec son Père. Qu'est-ce qu'on vit ce matin? On a quelqu'un dans le ciel, on a un, un, un sauveur qui peut compatir, comme le dit Hébreu, à nos faiblesses. Vous savez, vivre de la souffrance, c'est loin d'être une évidence que Dieu nous a abandonnés. Mais dans la souffrance, on a l'assurance qu'on a sa présence à nos côtés. Et c'est intéressant de puis là, je ne veux pas trop extrapoler et aller loin là-dedans, mais c'est intéressant que, euh, dire qu'après l'encouragement, qu'est-ce qu'il dit? « Travaillez! <laughs> » hein? Il dit, « Fortifie-toi, Sadak! Fortifie-toi, Zorobabel! Fortifiez-vous puis allez retourner travailler! » C'est pas fini! J'ai pas fini avec vous autres! Le peuple doit retourner au travail, Il doit... La, 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 je dirais, la réponse raisonnable à la grâce d'un Dieu qui est présent, même si on ne le mérite pas, c'est de le suivre, puis de lui obéir, de faire ce qu'il nous demande de faire. Dans le cas du peuple, c'est de retourner construire le temple. Aller au travail, malgré leurs faits moyens, malgré l'oppression extérieure, malgré leurs maisons qui sont tout croches. C'est intéressant. Dieu ne leur dit pas OK, gang, je vais vraiment prendre soin de vous autres. Fait que là, euh, allez dans les champs, je vais vous donner des belles récoltes pendant une coupe de mois. Je vais tout, aller tout arranger vos maisons. Puis quand tout va bien aller, là, vous allez revenir construire mon temple. Puis non, 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 non. Faites-moi confiance. Là, là, retournez. Mettez-vous au travail. Allez rebâtir le temple. Je suis avec vous autres et je vais prendre soin de l'heure, de, de vos besoins. Et Dieu nous demande la même réponse à nous, ses enfants. De Logiquement, que quand on, on réalise, qu'on se rappelle qu'on a un Père dans le ciel qui est présent, qui prend soin de nous, hein, les Écritures nous disent d'obéir, de, de, de venir à lui, de que notre vie ne nous appartient pas. On voit Romains 12. 1 et 2 dit Je vous encourage, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Sera, euh, comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, ce sera de votre part un culte raisonnable. Hey! Quand es racheté, suis-moi. Donne, donne-toi, Jésus, suis ce que Dieu te demande de faire. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire ce matin pour obéir? Qu'est-ce qu'il te demande de... Moi, je. Vous savez, je ne sais pas c'est quoi Dieu. Puis là, la beauté, je ne vous connais pas. <laughs> fait que, tu sais, je ne peux pas être en train de passer les messages du pasteur. là de... Qu'est-ce que Dieu te demande de faire pour lui obéir aujourd'hui, le 21 mars 2021? Je ne le sais pas. J'ai en masse de savoir pour ma propre vie ce que Dieu me demande de faire, puis dealer avec ça. Mais Dieu il te demande de le suivre. Il te demande de lui obéir. Qu'est-ce que Dieu te demande de faire? Fais-lui confiance comme un enfant qui fait confiance à son papa puis qui tient à la main puis qui dit « c'est tough ». Je vois mes enfants des fois, il ah, y, y, y a des grandes difficultés devant eux, puis je suis à côté, je suis comme, c'est pas si pire que ça, mais en tout cas, je, je, je comprends ta difficulté, mon enfant, puis je prends ma fille par la main, puis que je l'accompagne, puis que je marche à travers quest ce qu'elle trouve difficile. Fais la même chose avec ton papa Nassia ce matin, prends sa main, marche avec lui. Fais-lui confiance. Donc, euh, Dieu ramène la nostalgie du passé, Dieu encourage le peuple en leur disant, au présent, je suis avec vous, puis il termine. Euh, en disant, Hey, il y a une gloire future qui va revenir dans ce temple-là. Verset 6 à 9, on ne relira pas tout, mais il dit, La gloire va revenir dans ce temple-là. Toutes choses m'appartiennent. Hein? Il est temps de réaliser ce qui nous attend. La gloire de Dieu va éclater dans l'avenir. Hein? C'est ce qu'il dit au peuple. Puis c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Il dit La gloire de Dieu va revenir dans le temple de Zorobabel. Le temple qu'ils sont en train de reconstruire, il y, 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 y a une gloire qui va revenir dans ce temple-là. Il leur donne de l'espérance. Il dit que les richesses vont revenir, le peuple va se rétablir. Mais le, le sens du texte ici est beaucoup plus que le temple physique. Hein? Oui, c'est vrai que le temple du temps de Robabel, puis dans, dans Agé, il a reconnu une certaine gloire, puis ça a été beau, mais <laughs> la, la prophétie ici qu'Agé fait est beaucoup plus grande que ça. La gloire va revenir, oui, dans le temple physiquement un peu, mais ce qu'il est en train de pointer ici, c'est la gloire de Jésus qui, un jour va rentrer dans le temple qu'ils sont en train de reconstruire. Jésus-Christ, Dieu, c'est, s'est incarné, il va rentrer dans ce temple-là. La gloire de Jésus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, au verset 9, regardez qu ce qu'il dit. Il dit, la gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle du premier. Il ne dit pas que le temple va être plus glorieux, mais la gloire qui va être dans ce temple-là va être plus grande. Pourquoi? Parce que c'est la personne de Jésus qui va rentrer dans ce temple-là qui va venir et qui va venir... Euh, des centaines d'années après, qui est l'espérance ultime et la gloire qui va rentrer dans ce temple-là est encore plus grande et c'est la manifestation visible de la présence de Dieu. C'est Jésus-Christ lui-même. Jésus va venir rentrer un jour et la gloire de Jésus va marcher dans ce temple-là et la gloire du temple va être encore plus grande que celle de Salomon. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu va être présent. Il va être venu apporter la paix. Il va venir dans ce temple-là. La présence de Jésus apporte la paix. Jésus est le seul qui peut venir apporter euh, la paix. Jésus et cette espérance-là, et donc euh, de, le de Dieu, il va encourager le peuple en disant, hé, hey, rebâtissez, faites ce que je vous demande, vous allez voir, ça va être glorieux, mais ultimement, ça va être encore plus glorieux parce que mon fils Jésus il va venir, la, celui qui va apporter la vraie paix, la paix qui va durer pour tout le temps, il va marcher dans ce temple-là. Ultimement, si le peuple euh, euh, place leur confiance dans, dans, dans cette gloire-là qui est à venir, dans le fait que Jésus va revenir, et là Jésus est venu dans, dans, le, dans le temple, il est venu euh, rétablir, réconcilier sa création avec le Créateur. Mais aujourd'hui, la présence de Dieu fait toute la différence. Et je veux vous dire, aujourd'hui, euh, la présence de Dieu à Gaspé-là, c'est vous. <laughs> OK, je comprends, Dieu, il est là dans, dans l'univers puis il, il est omniprésent, mais l'Esprit de Dieu habite dans chacun de, de ses enfants et sa présence maintenant à Gaspé, il veut vous utiliser pour apporter l'espérance ici en ville. Jésus, il n'a pas fini avec Gaspé. Il n'a pas fini avec la Gaspésie. Des fois vous faites décourager, découragé de dire Aïe aïe, c'est long, c'est top puis euh, hey, on ne voit pas beaucoup de fruits mais c'est pas fini Dieu il fait encore des miracles en 2021 il y a encore des savez-vous en ce moment il y a des gens qui cherchent Dieu à Gaspé là je suis sûr en dedans vous dites bah non pas maintenant tant que ça c'est pas vrai <laughs> il y a encore des gens qui cherchent Jésus à Gaspé hey, j'ai reçu un courriel le deux trois semaines sur Facebook une fille qui dit hey, je me cherche une communauté chrétienne moi je veux apprendre sur Jésus une de mes amis m'a dit Venez vous voir J'étais comme C'est qui ton ami? Ah, une fille, euh, elle s'appelle Catherine, puis elle fait de la plongée sous-marine. c'est une fille avec qui je fais de la plongée sous-marine. Elle a parlé d'une de ses amies qui cherchait une église. La fille, là, je ne sais pas si elle connaît Jésus, là, elle cherche une communauté chrétienne. Puis là, je l'ai appelée. Puis on va commencer une étude biblique ensemble la semaine prochaine. de même. Je... Moi, j'étais découragé. Là, je venais de perdre un couple dans l'église, que là, je pensais qu'elle allait joindre à nous autres. Puis là, tu euh, de Jonathan. Là, j'étais chez nous. Puis là, là je peux être découragé. Là, Dieu, qu'est-ce que tu fais Puis c'est non, ben top. La chanson est moi, je veux entendre parler de Jésus. Puis euh, je suis des études bibliques. Hein? Jésus, il a pas fini. Il y a encore des gens qui veulent aller chercher et sa présence en ville ici, c'est son peuple. Il veut se servir de vous pour pouvoir amener l'espérance aux gens. Dans le coin ici. Et ultimement, ultimement, il veut vous encourager, il veut nous encourager en disant la gloire à venir, c'est que je m'en viens bientôt, ça va bientôt être fini, puis je vais être avec vous pour l'éternité. Vous allez rentrer dans ma présence. Hein? Quand il parle de la gloire à venir, oui, son, son fils, il, il allait venir. Oui, aujourd'hui, on est la présence de Jésus, mais notre espérance ultime, à toi et moi ce matin, hein, c'est qu'un jour, on va être dans la présence. De Jésus. Un jour, on va être avec lui. Je fais un peu capoter mon église, puis mes, 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 mes proches dernièrement, mais euh, avec. Leur fois je prêchais à l'église, je disais j'ai hâte de mourir. Puis je disais pas ça, je ne suis pas suicidaire, là, okay? Je vous dis, là, je vais bien, euh, c est, c est, ça va très bien, je suis bien entouré, je disais. Mais plus que je comprends ce qui s'en vient. Plus je, je, plus je découvre et je grandis dans l'espérance d'être avec Dieu puis comment dire ça va être merveilleux puis ça va être grandiose puis qu'il n'y aura plus de souffrance plus j'ai hâte à ce moment-là mais c'est mieux que je sois encore là parce que Dieu permet que je sois encore là mais je veux vous rappeler gang la, la, votre espérance c'est pas la vie qu'on a en ce moment c'est pas c'est pas mon mon métro boulot de dos, c'est pas mon, ma ma job que j'ai actuellement, je trouve qu'on parle tellement souvent de notre perspective de hey, là, on est pris dans notre vie ici sur la terre, ça c'est des pinotes comparé à ce qui s'en vient. Ça c'est un c'est un clin d'œil, c'est un coup de vent comparé à la gloire qui s'en vient, qu'on va passer l'éternité avec Jésus qui va essuyer toute l'arme, qui va nous consoler, qu'on va être avec lui dans, dans la joie éternelle. Notre espérance, Paul dit à 1 Corinthiens 15, « Si votre espérance est sur la terre seulement, nous sommes les plus malheureux des êtres humains. » Mais non, notre espérance est dans le fait que Jésus va revenir. Donc, ce matin, je voulais vous encourager. Je ne sais pas c'est quoi le, les découragements que vous avez euh, à, 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 à travers lesquels vous passez, mais je veux vous dire... La présence de Dieu aujourd'hui peut tout faire la différence. Dans la souffrance que tu vis, sa présence est là. Il est comme un papa qui t'aime, qui veut te prendre dans ses bras, qui veut t'accompagner, puis qui veut que tu brilles, qui veut que tu, tu apportes de la joie aux autres parce que pour qu'ils puissent à travers toi aller donner de la joie, de l'espérance aux autres, tout en gardant une, une, une perspective sur hey, on est juste ici pour un petit bout. Un jour, on va être dans sa présence. Donc, qu'est-ce qu'il me demande de faire en attendant? Mais ben, remontons nos manches et, avec son aide à travers nous, obéissons à ce qu'il nous demande, comme il a demandé au peuple. Prions. Papa, je veux, euh, je veux te remercier pour ton encouragement ce matin. Merci pour cet encouragement que tu es venu donner au peuple. Ce qui faisait que ton, ton temple était merveilleux, ce n'était pas toute l'or du monde. C'était ta présence. Ce qui faisait que c'était beau, que c'était glorieux, c'est que même si ton peuple s'éloignait de toi, année après année, désobéissait, vivait les conséquences de leur choix, toi, tu étais fidèle à ton engagement envers eux et tu les relevais et tu allais toujours les relever. Papa, merci d'être aussi fidèle avec moi. Merci de... D'être fidèle, que chaque fois que moi je brise mon engagement, chaque fois moi je me tourne vers la création pour essayer d'être heureux, essayer d'être comblé, toi tu continues à me tendre la main et lorsque je me retourne de bord, je peux toujours la saisir comme un enfant saisit la main de son papa. Je te prie que tu puisses nous aider, chacun d'entre nous ce matin qui sommes ici, à chacune des personnes qui, qui, qui vont écouter ça dans les prochains jours, qui sont euh, en direct, Seigneur, qu'ils puissent goûter ta présence là, aujourd'hui. Le salut, ce pas juste pour qu ce qui va se passer dans l'éternité. C'est là. Tu es présent. Tu es, es, es là même si on ne le mérite pas. Merci de me tendre ta main. Jésus, aide-moi à comprendre que, que cette vérité, Seigneur Jésus, passe de ma tête au plus profond de mon cœur. Trop souvent, ça se perd en chemin. Je le sais que ma tête, mais mes émotions partent dans toutes les directions. Viens réconforter nos cœurs. Viens nous donner ton espérance. Jésus, je te prie que. Euh, ton église ici à Gaspé puisse, euh, Seigneur, être tellement remplie d'espérance, tellement dans la joie de ta présence que ça puisse bouleverser la ville, Seigneur. Que montre à ton église ici dans le cœur de qui tu es en train de travailler dans la ville pour qu'ils puissent aller les voir, Seigneur, et les accompagner et les pointer vers toi. Puis je veux, avec le peu de foi que j'ai, Seigneur, ce matin, je veux dire merci pour ce que tu vas faire dans les prochaines semaines. Je te remercie pour ce que tu vas faire dans les prochains mois, pour les gens que tu vas ajouter à ton église. Viens sauver Jésus. Jésus, merci pour l'encouragement, l'espérance que tu nous donnes qu'un jour on va être dans ta présence pour l'éternité. Ça va être fini de la souffrance. On va être avec toi dans la joie éternelle. Mais d'ici là, aide-nous à saisir ta présence, à nous encourager. de Jésus, je te prie. Amen. Merci, Jonathan. Euh, cet encouragement, euh, je termine avec euh, la partie qu'on qu est en ligne, avec euh, un encouragement justement à, à partager ce, cet enseignement, ce, si vous avez aimé, si vous avez été euh, encouragé pour que d'autres puissent l'écouter. Mais aussi, si vous l'avez écouté, et que vous avez des questions, gênez-vous pas à, à utiliser bien. Si vous l'écoutez présentement, c'est parce que vous êtes avec euh, Facebook. Mais d'utiliser euh, le média euh, social de Qu'est-ce que Facebook pour envoyer un messenger, un message à l'Église, à nous. On va pouvoir, euh, si vous avez des questions par rapport à Dieu, par rapport à ce message, gênez-vous pas. Puis si vous avez même des questions pour Jonathan, bien, je vous mettrai en lien avec Jonathan. <laughs> Ça va lui faire plaisir de vous répondre, de avec vous. Puis, euh, mais gênez-vous pas. Euh, nous, on, à chaque dimanche, on est ici en présence au 208 Montée de Wakeham, à Gaspé. Euh, la, ce qu'appelle la petite église et euh, puis on est aussi sur euh, Facebook, live, puis ces choses comme ça. Le message va être éventuellement disponible aussi sur euh, la chaîne YouTube de l'église, Église du Havre de Gaspé. Et euh, fait que je vous souhaite une bonne semaine à tous, puis au plaisir de, de vous revoir ou de vous voir.